Depuis lundi 23 septembre, Meghan Markle, le prince Harry et leur fils Archie sont en voyage officiel en Afrique du Sud pour une dizaine de jours. Avec une trentaine d'engagements prévus dans leur emploi du temps, le duc et la duchesse de Sussex enchaînent les visites et les rencontres avec les personnes locales. Jeudi 26 septembre, soit trois jours après leur arrivée sur le continent, le prince Harry est arrivé tard dans l'après-midi au sein de la municipalité de Dirico, dans la province de Kouanedo-Kubango, en Angola. Le duc de Sussex a passé la fin de journée et la nuit auprès de l'association britannique Halo Trust, une institution qui enlève les débris laissés par la guerre, en particulier les mines terrestres. Pendant cette visite, le jeune papa s'est rendu dans un champ de mines antipersonnel. Exactement comme sa mère, la princesse Diana, l'a fait il y a une vingtaine d'années de cela. Et pour cause, Lady Di avait visité ce même pays, le 15 janvier 1997. Souvenez-vous, la maman des princes William et Harry avait été photographiée en train de traverser un champ de mines, elle aussi pour l'association britannique Halo Trust. Seule petite différente, c'était dans la ville de Wambo que s'était rendue la princesse, alors que son fils lui était à Dirico. Et si le jeune homme de 35 ans n'a pas pu se rendre dans la ville exacte où sa mère a marché, si est-il car désormais le paysage a trop changé. Néanmoins, le prince Harry a tout de même pu reproduire cette photo iconique restée gravée dans la mémoire, et suivre fièrement les traces de sa mère. Je me sens profondément connecté à cet endroit. Le jeune papa trentenaire est fier d'être de retour en Afrique, un endroit qui l'a beaucoup aidé à surmonter le décès de sa mère, en août 1997. Lors de son arrivée au Botswana, le prince Harry a confié aux journalistes présents qu'il était déjà venu sur le continent, quelques mois après la disparition de sa mère, et que ce voyage l'avait aidé à s'échapper pendant cette période de sa vie particulièrement éprouvante. Mais maintenant je me sens profondément connecté à cet endroit et à l'Afrique, a-t-il déclaré, comme le rapporte People. 22 ans après. En juin 2019, le prince Harry avait assisté à un événement intitulé « Mines, déminage, conservation et développement économique en Angola », organisé par le Programme pour l'Afrique de Chatham House, à Londres. Le petit frère du prince William avait prononcé un discours et s'était exprimé sur sa mère la princesse Diana. On m'a récemment fait par l'autre jour de la transformation positive qu'il y a eu à Wambo, depuis que ma mère a marché sur ce champ de mines il y a des années de cela, avait-il déclaré.